Et bonjour à tous chers amis, bienvenue pour ce nouvel épisode sur cette magnifique série sur Graveyard Keeper. Je suis content de vous retrouver. Et alors j'ai regardé un tout petit peu hors caméra. Ah bah tiens, on a débloqué, ouais c'est ça. J'avais pas regardé, mais on a débloqué ici la partie écriture avec les livres, les vieux livres qu'on avait récupérés la dernière fois, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Vous vous rappelez, on avait vu la dernière fois, on avait une quête où il fallait récupérer des mythes. Et regardez ici, mythes. Voilà, sauf que ici, il me faut les bulles, les petites bulles bleues et les points bleus qui représentent votre reconnaissance spirituelle. Et j'en ai zéro pour l'instant, j'en ai pas encore eu. Donc pour l'instant, ça sert à rien que je fouine pour récupérer des mythes. Pour aller auprès de notre ami le pêcheur. Donc forcément, quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu en mode vexé. Après, il y a autre chose, il y a ce pont ici qu'on n'a toujours pas réparé mais qui est plutôt accessible parce qu'au final j'ai toutes les ressources pour, donc je suis chaud pour le faire. Une planche, 4 d'os et 8 clous, donc je me dis, bah écoutez, pourquoi pas, hein, attaquons la réparation de notre pont, n'est-ce pas, hein, voilà, parce que le pompon a son pépère. Ah, ça, y a rien de mal. Alors je regarde un petit peu quand même ici. Hop. Pif. Ouais, on regardera ça après. Il y a vraiment ça aussi que j'aimerais bien avoir, mais bon. Alors, tac. Le pompon et son pupure. Ici, des clous, ça tombe bien. Ah merde, il me faut un lingot de fer. Je les ai rangés. J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai tout rangé la dernière fois. Donc on a dit 8 clous, j'en ai 4, donc ce n'est pas suffisant. Donc prenons déjà un petit ingot. Les dos, il m'en faut, donc je vais tout prendre, je vais pas me prendre la tête. Ça, je vais tout prendre aussi parce qu'il me faut une planche, voilà. Et donc logiquement, on devrait pouvoir réparer notre pont et voir un petit peu ce qu'il y a derrière, ce qui nous attend, n'est-ce pas? Allez hop, on récupère nos clous, 8. Parfait, et on avait dit une planche en bois. Donc, maintenant, c'est les petites billes bleues, je sais pas encore, c'est le côté spirituel, donc normalement, est-ce que je vais en récupérer quand je vais prier, je ne sais pas. Quand l'icône aura fait un tour complet, vu qu'on a ouvert l'église à l'épisode précédent, on verra est-ce qu'à un moment donné, à ce moment-là, je pourrais faire effectivement cette petite messe, les gens vont venir se recueillir, et peut-être qu'à ce moment-là, je débloquerai ces fameux points, mais dans l'immédiat, je sais pas encore comment je vais faire. En tout cas, le pont se répare facilement, hein, au niveau des ressources. Regardez, paf, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Parce que l'air de rien, si je fais la map, c'est pas encore découvert. Ah, il y a du fer, intéressant. Il y a du fer, mais ça ressemble un peu à ce qu'il y a au nord de chez moi. Hein. C'est un marais aussi, ça. Hein. C'est un marais, ça aussi. Hein. Donc... En fait, alors après, peut-être que... Est-ce que c'est considéré comme un marais, le truc qu'il y a au-dessus de chez moi? J'aurais tendance à dire oui, mais ça, pour moi, c'est un marais, en tout cas. Alors, beaucoup plus grand que le petit truc qu'il y a près de chez moi, certes. Alors, dans le marais, on était censé trouver de l'herbe. C'est le mec, le dealer. Je suis censé trouver de l'herbe, t'as vu, pour le ramener à un PNJ. Non, je suis censé trouver de l'herbe à hockey. Et c'est... Oh, putain, pardon, purée, je crois que c'est ça. L'herbe blanche qui est là. Je peux pas passer, sérieux? Non, comment je fais pour passer? C'est la mort! Il y en a un peu partout là, des petites fleurs blanches, mais c'est ça en fait, hein. Donc du coup, j'avais pas de bol, il y en avait pas près de chez moi, mais il y en a là. Par contre, les gars, je vous le dis, hein, laissez-moi passer s'il vous plaît. Oh purée, c'est galère à passer, c'est galère! Oh là là, que c'est cancer! Oh que c'est bordel! Attends, je vais faire le tour de l'autre côté. Ah, on trouve le marais, on trouve l'herbe à hockey, là, et on peut pas la récupérer, sans déconner. Ok, bon, écoute, comme ça, ça me permet d'explorer un petit peu et de voir ce qu'il y a. Ah, mais attends, je peux builder un truc ici, sérieux? Lol, je peux pas passer. Non, mais attends, sérieux, les gars? C'est une véritable catastrophe, hein. Laissez-moi passer, les mecs. Non, 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 tu peux pas me dire que c'est un cul-de-sac. Je n'accepterai pas. J'accepterai pas le cul-de-sac ici, les gars. Non. Non, 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 non. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Je peux même pas couper ça, en fait. Oh, mon Dieu. C'est horrible. Oh, oh c'est horrible. Ah, oh, ce truc, il est horrible.
Ok. Il faut vraiment que je reste sur les espèces de gros sentiers, gros chemins principaux, parce que sinon... Ah bah tiens, voilà. Ah bah ok, yes, c'est ce qu'il me fallait, oui. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit panneau qui me permet normalement, d'un point de vue théorique, hein, de pouvoir construire quelque chose, hein, je sais pas quoi. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a moyen de passer quelques heures à trouver par où passer. Parce que c'est quand même une vraie galère. Qui c'est qui voulait de l'herbe? Ah ok. Le marchand. Apporter de l'herbe au marchand. Ça tombe bien, c'est la prochaine journée que je pourrais lui apporter. Cool! Hey! Une petite mission de fête. Ça fait plaisir d'avoir quelques petites quêtes comme ça de fête au fur et à mesure. Hein. Je peux pas passer. Oh putain. Oh putain. Là non plus. Oh putain. Oh, c'est horrible. Ah franchement, je vous le dis, le marais, c'est pas un endroit que j'ai kiffé hein, dans le jeu. C'est pas un endroit dans lequel j'ai passé beaucoup de temps parce que ça m'a l'air juste horrible de s'y retrouver là-dedans. C'est au-dessus. Ok. Bon, écoute, et il apparaît sur la map maintenant ou pas? Ah oui, regardez. Eh bah dis donc, vous imaginez en fait, j'ai fait cette partie-là, le petit ponton, cette partie, j'ai encore tout ça ici qui est masqué. Hein, donc c'est-à-dire que j'ai encore beaucoup de choses à dévoiler au niveau de la map quand même, hein, purée. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de cadavre, je sais pas ce que vous en pensez, c'est assez paradoxal quand même, hein, je suis censé être le responsable du cimetière, au-delà de l'église, mais du cimetière quand même, donc ramenez-moi des cadavres, que je puisse bosser un petit peu, et surtout récupérer le fameux crâne. Parce que là, pour l'instant... Hop. Allez, écoutez, on va pouvoir aller voir le marchand, comme ça on va valider une quête. Le marchand, au passage, j'en profiterai pour regarder s'il ne vend pas des graines, lui. Sait-on jamais. Et je pense que ça peut être l'occasion aussi pour passer au sud, là, voir le paysan. Et tu vas voir que là, maintenant, là, je vais tourner le dos, je vais être barré de chez moi. Et pile à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Bim! Le mec qui va venir m'amener un cadavre. Ah, je te jure, j'aime ces petits plaisirs de la vie, j'aime ce côté chill. On se balade, on se promène, on fait des bornes, on en bouffe des bornes. On fait des quêtes pour des PNJ ici et là. C'est pas magnifique, franchement. La vie est belle. Et dès qu'on aura planté nos carottes et nos patates, on sera encore mieux, je vous le dis. Je vous le dis, ça sera encore mieux. Allez! Donc le marchand, il est bien là au rendez-vous. Ça, c'est super. Tiens, j'ai de l'herbe à chat, mon poteau. Bim! Et ben voilà! Quête achevée. Quel goût étrange. Et ben, je ne sens plus le goût. Attendez une seconde. Je vais croquer un morceau de ce biscuit aux épices que j'ai dans la poche. Mais il n'a aucun goût! Plus rien du tout! Que m'avez-vous donné? Juste ce que vous m'avez demandé, de l'herbe à hoquet. Oh mon Dieu, c'est arrivé. C'est la malédiction. Dans ma jeunesse, on m'a prédit que je finirais par perdre la chose qui compte le plus pour moi. Qui vous a dit cela? Une diseuse de bonne aventure. Je traversais le désert avec ma caravane de l'autre côté des montagnes du Nord. Nous nous sommes arrêtés dans une oasis, et là se trouvait cette vieille femme. Tout ce qu'elle m'a dit s'est réalisé. Et maintenant ça! Je suis désolé pour vous. Attendez une minute. Connaîtriez-vous une sorcière? Non. L'inquisiteur les a probablement toutes brûlées. Si la veille Clotho est encore vivante, elle était déjà vieille quand j'étais gamin, mais si elle a envie, ce doit être une véritable sorcière. Essayez de la trouver au cœur des marais de l'Ouest. Non! Dites-lui que le marchand et le prêtre... Attends, dites-lui que le marchand et le prêtre qui lui achetaient des potions d'amour ont besoin de son aide, je suis sûr qu'elle se souviendra de nous. Le prêtre? Mon frère était prêtre. Mais je n'ai pas envie d'en parler. Bon, je compte sur vous, mon ami. Apportez-moi un remède contre cette malédiction. Je verrai ce que je peux faire. Bien, bien, bien. Commercer, il me donne des graines ou pas, lui? Oh, graines de vigne. On peut faire du vin, purée. Purée, purée, on peut faire du vin. Mais c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, il veut des carottes, du chou et des betteraves. Donc, on va pas s'enflammer. Gardons notre argent comme il est. Ok, bien. Donc, on a maintenant, voilà, ici, une nouvelle quête. Le marchand a besoin d'un remède pour sa malédiction. C'est pas explicite, hein, il pourrait dire, tiens, il faut que t'ailles au marais pour parler avec un tel, mais bon. Il faut qu'on trouve la sorcière du marais. Et vu le merdier que c'est, et puis...
En tout cas, au moins, on a pu avancer. On a débloqué le marais. On a pu lui apporter son petit goodies, là. Purée, mais attends, mais ici, là, le paysan, il apparaît quand et où, en fait? Parce que... Je peux peut-être rentrer, là? Putain, merde. Je sais pas où je peux trouver le fermier. Et pourtant, on sait, hein, on sait pertinemment, hein, on l'a déjà croisé, en plus. On a déjà croisé le fermier, on avait pu parler avec lui, donc... Mis à part son fils, là, qui remue le foin, je l'ai pas recroisé. Bon, écoutez, chers amis, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'aller au niveau de la sorcière, trouver le chemin. J'ai pas le choix, hein, de toute façon. Hein. J'ai pas le choix. Enfin, hein. Si, j'ai le choix, hein. Il y a d'autres quêtes à faire, hein, mais... Il me faut un cadavre avec le crâne. Alors, je peux toujours, vous l'avez vu, hein, je peux toujours exhumer un cadavre. Hein. Donc, si je fais ça, le crâne, je l'aurai. Hein. Je l'aurai, je l'aurai. Alors, tellement chill le jeu quand même, c'est fou en fait. C'est fou parce qu'en fin de compte, quand on se pose sur heures de jeu, c'est un peu comme Stardew Valley aussi. Hein. Il y a des milliards de micro-quêtes et de micro-choses à faire, mais ce que je retiens principalement de ces jeux, c'est un peu ce côté multitude de choses à faire, mais globalement dans une ambiance très... Vous savez, très posée, une ambiance très chill, une ambiance très... Très très calme entre guillemets, c'est assez rigolo hein, parce qu'on pourrait là se mettre sous pression comme des oufs en mode allez vas-y il faut que je fasse 3 quêtes par jour et tout mais mais en fait t'es là et puis tu profites, tu ramasses des champignons, tu cherches une sorcière dans ces marais de mort. Je regarde un peu par où on peut passer mais tout à l'heure on a vu rapidement que ça pouvait vite devenir la merde donc je suis plutôt tenté de trouver un gros chemin principal. Purée que je ne vais pas trouver ici. Je peux pas passer. Merde! Ah! Quelle horreur! Quelle horreur! En fait, en fait, ce truc, c'est un labyrinthe, en fait. Sauf que graphiquement, pour réussir à trouver je peux passer, je peux pas passer, arrache-toi les cheveux.com. Putain, je peux pas aller à droite, je peux pas aller à gauche. Non, mais please, les gars. Il y a de la place hein, quand même. Là non plus, je peux pas y aller. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, sérieux, tu peux pas aller à gauche, tu te fous de ma gueule. Fous de ma gueule! Bon. Partons du principe que c'est un méga gros labyrinthe. Et que tout à l'heure, on avait trouvé le début du chemin. Ok? On part de ce principe-là. Donc, on était passé par là. Ah, je te jure. Ça, c'est horrible. Hein. Ça, c'est horrible. Ça, c'est une vraie merde. Je suis désolé, hein, je suis un peu cru, mais. Mais ça, c'est chiant, quoi. Il y a des larmes. Il y a une belle tête, là, moi. Le mec qui se fait distraire, tu sais. J'aime bien la tête de l'arbre. Oh, merde, il y a des petites traces de pas par terre. Donc, faut que je les suive, parce que c'est pareil, je suis passé tout à l'heure. Là, j'ai vraiment l'impression qu'à n'importe quel moment, presque, je pourrais bifurquer à gauche. Mais en fait, non. Genre là. Putain, je peux pas. Ici, j'étais passé à droite tout à l'heure. Oh, il y a un cadavre qui est arrivé à la maison. Mais tu peux pas me faire ça. Putain. Oh, il y a un cadavre qui est arrivé à la maison, chers amis. Je suis perdu. Non, je suis déjà perdu. Puis quel truc de mort. Il me faut le cadavre. De toute façon, j'ai pas le choix. Il me faut le cadavre. Astrologue. Lui, il vient quand il y a la lune. Ok, j'ai un peu de marge, mais... J'aimerais bien le faire quand même. Parce que là, le cadavre, on n'en avait pas tous les jours. En plus, l'air de rien, faut que je m'occupe de la pierre tombale et tout. Enfin, non, on a un peu de taf là-haut. Mais je savais que ça allait arriver, franchement. Comment c'est possible d'avoir autant la poisse, sans déconner? Obligé, le mec, il allait passer maintenant, alors j'étais occupé à faire autre chose, en fait. Oh, je te jure. Aïe, 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 aïe. Ok, j'ai une pierre. Voilà, et là, j'ai eu pas mal de pierres. Cool. Bon, bah, écoute, hein. Allons récupérer ça. J'ai du bois sur moi ou pas? J'ai un peu de bois, ouais, cool. Ah, mais attends, il n'y a pas de cadavre? Non, tu m'as fait venir pour rien. Tu sembles t'en sortir plutôt bien ici. Oui, je viens d'ouvrir l'église. Donc tu possèdes tout par ici. Oui, je crois. Félicitations!
Tu en as de la chance. Tu as acquis tout ce capital, tu travailles à ton compte. Tu es un vrai capitaliste désormais. Mais il n'y a pas de récompense en ce monde pour un âne travailleur comme moi. Même toi, tu exploites mon travail à bon marché. J'ai bien peur de ne plus pouvoir t'appeler camarade. Mais je n'accepterai pas les choses sans broncher. Voici un petit cadeau rien pour toi. C'est une merde. De graines. Ah non, graines de carottes, je crois que c'était une merde. Eh, on a eu des graines purées, on a eu des graines. Franchement, je pensais que c'était un gros étron par terre, putain. Alors, vous êtes maintenant. Vous êtes clair. Vous êtes un clerc maintenant. Il semblerait. Je ne me souviens de rien après ma mort. Peut-être qu'il n'y a rien là-bas. Ou peut-être ai-je tout oublié. L'amnésie peut être bien utile. Vous voyez ce que je veux dire, mon ami? Ouais, je suis ton ami. Je peux te parler ou pas? Parce que du coup, j'ai des quêtes pour toi. Ah oui, regardez, je peux lui parler, j'ai 20. J'aurais quelques questions. Comment pourrais-je rentrer chez moi? Facile, vous devriez pouvoir utiliser le portail sur la colline aux sorcières. Non, sérieux? Et quoi, il me suffit de traverser? N'y a-t-il pas besoin de l'activer d'abord? Je n'ai clairement pas de cervelle dans la caboche, donc je ne vais pas vraiment. Donc je ne sais pas vraiment d'où viennent toutes ces connaissances. D'accord. Je vous ai dit tout ce dont je me souvenais. Des livres de la bibliothèque pourront peut-être vous aider. Waouh, l'église comporte une bibliothèque dans sa crypte. Peut-être que l'astrologue saura quelque chose. C'est un malin! Il est arrivé à piquer plein de bouquins à la bibliothèque quand il était petit. Alors, en passant par l'église, forcément, d'accord. Et puis, il me semble que votre cave à vin est reliée à la crypte de l'église. Effectivement, ça, je l'ai vu aussi. La morgue est connectée. Il y a tout un réseau de tunnels en dessous. En fait, il va falloir que je dégage tout le réseau de tunnels qu'il y a sous ma baraque, en fait, hein. Scène de revenir, j'adorais pêcher. D'accord, une fois j'ai attrapé un poisson sarde de Sarthe, je n'ai plus de main pour vous montrer comment il était gros. Enfin, vous pouvez me croire, il était énorme. Je déteste les histoires de pêcheurs. Et puis une fois, vous savez quoi, il faut que j'y aille. Ouais, forcément sympa d'avoir des jambes. Et n'oubliez pas de me rapporter du vin. Alors, vous savez quoi, on a eu des nouvelles quêtes, hein. Alors, il est très intelligent et très enjoué. Enfin, je ne le connais pas vraiment personnellement, il me semble. Mais son vin est fabuleux. Et il était copain avec le gardien du phare. Ils traînaient toujours ensemble au phare toutes les nuits. Enfin, toutes les quoi. Bon, alors, je peux lui demander où est le phare, mais là, je l'ai trouvé, hein, quand même. Je l'ai trouvé, le phare, il n'y a pas longtemps. Ok. Bon, j'ai toujours du pinard à lui filer. Alors, autopsie. Donc là, on a dit crâne, cette fois-ci. Comme ça, je pourrais aller le voir quand on sera à la Lune. Attends, j'ai eu une pièce bleue. Merde, j'ai cru voir passer une pièce bleue, purée. Ah, mais attends, je peux avoir un crâne plus d'autres parties du truc, là? Non. En fait, je peux faire crâne plus de la viande. Je peux tout faire! Je peux tout extraire! Mon dieu, je savais pas que je pouvais faire autant de choses. Je pensais qu'en fait, c'était exclusif. Ah, j'ai raté. Vous n'étiez pas assez expérimenté, l'opération ne s'est pas bien passée, le corps est en piètre état et sa qualité s'en trouve réduite. Oh merde. Je crois que j'ai fait une connerie, les gens. Je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que le corps que je transporte, je l'ai un petit peu dézingué, je crois. Je crois que j'ai pas respecté le corps. 92%, ça n'a pas changé par contre. Ok. Bon, allez, hein, vas-y, pierre tombale déjà. J'ai pas de place dans mon inventaire, forcément, je m'en serais douté. Cet inventaire de mort. Qui commence à être rapidement chargé quand même. Hein. Herbe, ok, bah de toute façon, j'en ai plus besoin. Voilà. Les graines de carottes, faudrait qu'on les plante un jour. Et ça, je vais le ranger, hein, écoute. Hein. Et lingots de fer aussi. Hop. Ah, il faudrait que j'arrive à dormir quand même. Hein. Voilà. Ensuite, ici, on avait dit que c'était planche. Voilà. Non, pas ça. Ah, il a du mal en fait. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Et ensuite, clôture. Voilà, parfait. Je sais pas ce que ça fait si je dors et que je laisse le cadavre dehors. J'ai peur de revenir et qu'il soit à 50% de durabilité là. À mon avis, il faut au moins que je le mette sous terre en fait. Au moins, je pense.
Et après, je peux pioncer tranquille. Parce que là, vu la tête de mon énergie, de toute façon, faut pas que je fasse l'impasse dessus, sinon... Moins 6. Oh, oh la vache. Ça y est, j'ai compris, en fait. Attends, mais j'en veux pas de ce cadavre, moi. J'ai pas de permis d'exhumer. Oh, putain. Oh, merde. Oh, merde. Mais attends, mais du coup, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû le foutre à la flotte, le cadavre? Oh purée, et dès que j'ai un permis d'exhumer, il faut que je l'exhume et que je le foute à la rivière, le cadavre. Mais j'avais pas réussi à le mettre à la rivière. J'ai jamais réussi à le foutre à la rivière. Ah, excusez-moi, je sais qu'il fait jour, mais il faut que je dorme parce que sinon... Sinon je vais mourir. Ouais, je vais me mettre full. De toute façon, le problème c'est que je vais sortir et faire nuit, hein, tant pis. Hein. Tant pis. Mais là, le timing n'était pas bon. J'ai pas été bon. Il faut absolument que je puisse foutre ce cadavre à la rivière. Hein. J'ai juste pas le choix, en fait. Sinon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que j'ai des pierres qui me donnent plus d'attributs que... Il est à moins 3 du coup, ouais, ok. Donc ça veut dire que ici, pour pouvoir équilibrer, il faut que ça, ça donne plus que 3. Ok, bon. Je vais pas vous dire que c'est mieux que rien, hein. Je suis à plus 7, je sais pas quoi vous dire de plus malheureusement. Mis à part que bah, il va faire nuit, mais je suis quand même chaud. On va quand même retourner au marais. J'aimerais bien qu'on trouve la sorcière. Et puis même, je sens que cette phase de jeu là, celle-là, elle va être à chier en fait. Je sens qu'elle va être vraiment compliquée. Trouver le chemin, ça va être un truc relou. Donc, allons-y. Je peux pas mettre de petites pierres comme le petit pousset. Dommage. Ok. Donc là, il y a le petit ponton pour aller faire de la pêche. Ici, je peux pas y aller. Là, je peux passer... Ah, attends, il y a la forêt en bas, là. Après, ce qui m'intéresse, c'est pas la forêt. Je pense que c'est vraiment le centre du marais qui me permet de voir la sorcière. Ouais, quoi que si je prends les chemins vraiment très larges comme je suis en train de faire là, normalement, il devrait pas y avoir d'embrouille, tu me diras. Mais la sorcière, elle est là. Hein. Là, ici, là. Je suis sûr, regardez, il y a tout un spot, là. C'est là qu'il faut que j'aille, en fait. Hein. Alors, les gars, laissez-moi passer, please. Attends, ça me gêne. Tu peux le casser, s'il te plaît. Ok. Je peux pas passer non plus. Merde. Ah, je peux pas passer alors qu'on voit quand même qu'il y a de la place. Mon Dieu. Ça me rend malade. Ce marais me rend ouf. Tiens, regardez ici, la terre des sorcières, c'est juste là, en fait. Je suis vraiment collé, en fait. Je suis vraiment collé. Après, attendez, je suis en train de regarder là. On est passé par là. En fait, on a fait ça. Tac, 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 tac. On a fait ça. Là, j'ai fait le tour. Là, je sais pas trop par où je suis passé. Mais en gros, je suis par ici, je pense. Ou soit par là, soit là. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que je remonte et que je refasse, vous voyez, tout le tour ici, là, comme ça. Pour aller là, en fait. Ok, allons-y. Quand tu penses que t'es arrivé, en fait, t'es pas arrivé. Ce qui m'embête, c'est que je risque d'arriver chez la sorcière de nuit, alors que elle... Ah, tiens, elle est là. Cool. Ah non, elle est dehors. C'est bien, je pourrais lui parler. Putain, je peux pas passer par là, vous foutez de ma gueule. Oh là 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 là. Ça, c'est chiant, par contre. C'est pas grave. On l'a trouvé. On l'a trouvé. On est content. Et puis, au final, c'est les gros sentiers. Ah, c'est là, le truc que j'ai vu. Fabriquer. Construire un pont. Oh merde. Ah, j'ai pas les ressources, mon Dieu. J'aurais pu faire un pont ici pour y l'avoir plus simplement. Ah, la galère. Tant pis, c'est pas grave.
Bonjour, disparaît, esprit maléfique. Je ne suis pas un esprit, je suis le gardien de cimetière. Vous êtes bien sûr d'être réel? Pas à 100%, mais quand même. Je pense qu'il se peut que vous soyez Clotho, la sorcière des marais. Ah, cela pourrait expliquer l'une de mes théories en partie. Approchez, mon beau. Ai-je plus l'air d'une sorcière ou d'une princesse des fées? Qu'en pensez-vous? Une princesse des fées? Je dirais, appelons un chat, t'es une sorcière, non? J'imagine que vous avez raison. Je suis trop intelligente pour être une princesse. Voilà! Bah, n'empêche, je vais avoir besoin de votre aide. Moi aussi, j'ai besoin de votre aide. Dommage pour vous. Je ne me souviens de rien, je me suis réveillé avec cette note dans la main. Si tu perds la mémoire, fais bouillir le chaudron avec l'encens et l'abeille. Bois le résultat, tous les ingrédients devraient déjà être dans le chaudron. Bonne chance, ton toit du passé. Et alors, vous avez essayé? Vous voyez un chaudron quelque part? Non. Moi non plus. Nous avons donc deux options. Soit vous préparez cette potion, ça ne devrait pas être trop difficile. Soit vous m'apportez un nouveau chaudron et vous me trouvez les ingrédients. Où pourrais-je trouver un chaudron? Oh, il va m'en falloir un gros. Un bon forgeron devrait savoir faire ça. Vous m'aidez, je vous aiderai. Non, sans déconner, schéma établi d'alchimie, schéma mélangeur à main, broyeur alchimie. D'accord. Sorcière en train de brûler. Moi, la question que je me pose dans tout ce merdier, là... à un moment donné, t'as pas un chaudron chez toi? Laisse-moi rentrer. Laisse-moi vérifier. Je suis sûr que t'as un chaudron, en plus. Il se passe quoi? Je peux plus. Oui, je fais pousser quelques plantes. Quoi? Qu'est-ce que tu me fais, là, comme phase, là? Je passe mon temps à aider tout le monde ici. Bon, de quoi avez-vous besoin? Ah, il y a un truc qui... J'y commence à... Pourquoi il est figé comme ça et il parle tout seul? Ah, ça y est. Faites pousser une citrouille de qualité argent. D'accord. Je sais pas... La dernière quête était mystique, là. L'écran était un peu figé, il s'est passé un truc un peu bizarre. Enfin, bref. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a ce truc-là de mort à faire aussi. Il me faut 10 clous. Purée, ça m'en fait des trucs à droite à gauche quand même à faire. Hein. Après ça, je pense qu'il faut que je le fasse assez rapidement si je veux pas être embêté. Alors là, on est au stade... mince, je me suis trompé. On est au stade là où j'hésite quand même. Alors là, pour l'épisode du jour, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus tranquillement. Mais on est au stade où j'hésite vraiment là à rentrer en mode... je fais une ou deux journées, on va dire, en mode... pas AFK, mais vous voyez ce que je veux dire, en mode... Et en mode ellipse, voilà. Pour pouvoir farmer les quelques ressources qu'il me faut, comme là, ce qu'il faut pour pouvoir faire le pont, notamment, ou ce genre de choses. Ce qui est bête, ce qui est dommage plutôt, c'est que là, bientôt, on va pouvoir aller retourner, aller voir le mec au niveau du phare, pour lui donner notamment ce dont il a besoin là, donc... Le format du let's play est pas facile à trouver, en fait, parce que comme il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de micro-choses à faire, j'ai presque l'impression que pour l'instant, on est encore dans la dynamique où la moindre journée... que je peux faire là, il peut se passer plein de micro choses en fait. Donc c'est pas forcément simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que les cadavres, on a intérêt à être vigilant si je veux pas les charcuter comme j'ai fait la dernière fois. Parce que je risque d'avoir des problèmes tout de même. J'hésite un petit peu quand même. Alors attends, on va passer par là. Je vois que là il y a des traces de pas, donc je suis les traces de pas. Le truc, c'est que je vais pas pouvoir sauvegarder maintenant. Vu qu'il faut que je puisse dormir. Ah, le pont me permet d'aller ici, là, direct. Eh, le pont, ici, il vaut de l'or, hein, quand même. Hein. Je me tâte à le faire tout de suite, en priorité, en fait. Hein. Il n'y a même pas de débat, en fait. La priorité totale et absolue, c'est de faire un pont ici, parce que ça m'évite de m'emmerder après pour la suite. Hein. Ok. Je crois qu'on va faire ça. Clairement, on va faire ça tout de suite, en fait. On va pas se poser plus de questions que ça. Comme ça, au moins, la partie sorcière, on sera pas trop mal. Allez, on va vider notre inventaire, déjà. Parce que je dois avoir quand même quelques merdes qui traînent. Donc ça, on peut ranger. Les carottes, faut vraiment que je fasse ça un jour. Alors, peau, je vire pour l'instant. Os aussi, parce que je sais pas à quoi ça sert. Prière, je crois que j'en ai besoin hein, pour l'église, mais une fois par semaine, tu me diras.
Ça, faut que je le vende. J'ai 4 clous. Ok. Donc ça, il m'en faut un. Donc on va déjà s'occuper de ça. On va prendre ça. Parce qu'il m'en faut 10. Et après, le reste, globalement, je pense que je m'en fous. Allez. Allons faire ce pont. Allons faire ce pont. Donc là, clou. Il m'en faut 10. Là, ça m'en fait 12. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, c'est bon. 12. Très bien. Ensuite. Ensuite, c'est des dos. Il m'en manquait un, je crois. Parce que j'en ai 5, il en fallait 6. Parfait. Et il me faut 2 planches. J'espère juste que ma mémoire elle est bonne, parce que si ma mémoire est pas bonne, je vais faire de la merde. Je vais me retrouver sur place comme un boulet. Et je pourrais pas faire ce pont de mort. Vérifions. Là j'en ai 9, j'ai 2. Non, franchement, là j'ai tout, hein. J'ai tout ce qu'il me faut, c'est sûr. C'est sûr, j'ai tout ce qu'il me faut, les amis. Cool. On va le faire tout de suite, comme ça on sera vraiment réellement débarrassé et tranquille de ce petit labyrinthe de mort. Oh, je te jure. Bon, après, globalement, ça va. Les ressources sont assez simples à avoir pour pouvoir restaurer le pont. Donc, on se retrouve quand même rapidement à pouvoir contourner ce merdier, quand même. Heureusement, parce que s'il fallait que je le fasse à chaque fois pour aller l'avoir, ça m'aurait sous l'aide à l'infini au-delà. Et ici, il y a beaucoup de fer. Donc, ça, c'est une bonne chose à savoir. Faut vraiment que je me retape toute la boucle. Hein. C'est infâme, quand même. Hein. C'est littéralement infâme. Alors, clac, tac. Le petit point de pêche ici. Je sens qu'on va passer des heures aussi au niveau des points de pêche pour avoir un peu tout ce qui nous, tout ce dont nous avons besoin. Ok, non, ici. Voilà. On y est presque, Billy. On y est presque. Quel plaisir. Quel plaisir de se dire que je fais sûrement ce chemin de merde pour la dernière fois. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible ce truc. Littéralement horrible. Ah, elle est ressortie la sorcière quand même. Elle m'a tapé une phase bizarre tout à l'heure, hein, mais bon. Allez. On y est presque. Après, il y a pas mal de ressources ici. Hein. Il y a l'air d'avoir pas mal de bois, de fer, les champignons. C'est intéressant tout de même. Hein. Hop. Fabriquer. Putain, 3 planches. Non! C'est pas possible, tu peux pas me dire ça, bordel. Pourquoi j'ai dit qu'il m'en fallait 2? Il m'en faut 3. Oh putain. Micro-ellipse. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Bah, micro-ellipse, hein, le temps que je récupère l'autre planche. J'ai envie de pleurer là tout de suite maintenant, mais je ne dirai rien. A tout de suite. Lol. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Oui! Ah oh, purée, je te jure. Tout ça pour une planche manquée, quoi. Ah là 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 là. Tout ça pour toi. Franchement, sincèrement, juste pour ça, en fait. Hein. Bon, écoutez. Écoutez, c'est bon, cette fois-ci, on a mis le pont. Tout ça pour ça, je te jure. Ce que je vous propose de faire, c'est de se quitter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits likes, les abonnements, tout ça fait toujours plaisir. Hein. Moi, je vais vous faire d'énormes bisous. Tiens, regardez, au niveau de l'icône d'ailleurs, ça me fait penser qu'on va pouvoir aller voir le PNJ pour lui ramener le crâne, si je dis pas de bêtises. Hein. Bref, il commence à y avoir beaucoup de PNJ là-dedans. Mais là, le truc en forme de lune, c'est au niveau du port, donc il faut que je lui ramène le crâne. Donc on va pouvoir avancer une des quêtes, ce qui est plutôt cool. Je vais quand même... Ah ouais, mais pour sauvegarder, il faut que je puisse dormir en fait. Ça, c'est chiant ça. Dormir. Je prends le risque, sinon je me retape 6 jours, hein, ça me fait un peu chier, mais on a le temps d'aller voir le PNJ logiquement. Mais je préfère quand même sauvegarder parce que l'air de rien, sinon... Hop. Non mais sinon, non c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai pas perdu tant de temps que ça. Cool. Allez, des bisous, à la prochaine. Merci en tout cas d'avoir regardé cet épisode, et puis bah, j'espère que cette petite quotidienne vous plaît. A bientôt, bye bye.